Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le premier ministre Diango Sissoko a été reçu ce matin en audience par le président guinéen, professeur Alpha Condé. Il était porteur des messages du président de la République par intérim. En tête à tête, l'audience a porté sur le soutien de la République de Guinée pour la résolution de la crise malienne. Envoyé spécial Haruna Diarra, Mahamadou Doumbia. À son arrivée ce matin à l'aéroport de Conakry, le Premier ministre Diango Sissoko a été reçu par son homologue de Guinée, Mohamed Saïd Fofana, et plusieurs autres personnalités. Après cet accueil chaleureux, le Premier ministre Diango Sissoko a remis une lettre du président par intérim, Diomkounda Traoré, au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry. Le contenu de ce message fait référence à la situation des régions du nord du Mali occupées par des bandits armés et des narcotrafiquants. Nul besoin de le rappeler. Le Mali et la Guinée-Conakry, deux poumons d'un même corps, doivent s'entraider mutuellement et se porter assistance. Telle est la quintessence du message du professeur Alpha Condé, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous avons écouté le Premier ministre et nous sommes totalement solidaires du peuple malien. Il nous a parlé de la feuille de route, en nous disant qu'il peut compter sur notre soutien total. Dès qu'il y aura la feuille de route, nous allons l'accompagner. Donc nous attendons la feuille de route qui doit être prise incessamment. Nous avons fait un tour d'horizon et je pense que nous partageons, nous avons la même vision sur la solution du peuple malien. Nous sommes assez optimistes parce que le pays il semble avoir des visions claires et la feuille de route qui sera à la base d'une concertation pourra permettre au moins, parce qu'on ne peut accompagner le peuple malien qu'en fonction de ce que le peuple malien lui-même veut. Mieux en face de la presse, le professeur Alpha Condé a rappelé toute sa solidarité à l'endroit du peuple malien. Tout notre objectif, c'est de faire en sorte que le territoire malien soit totalement libéré, qu'il y ait l'unité nationale et qu'il y ait la laïcité. Et que réellement, les richesses qui sont les richesses historiques, notre patrimoine national reste. Mais surtout, nous sommes derrière le peuple malien dans sa volonté d'être gouverné par des personnes choisies, c'est-à-dire le libre choix du peuple malien, et que ça ne soit pas un pouvoir imposé. En retour, le Premier ministre Diango Sissoko n'a pas été surpris de ce soutien indéfectible de la Guinée-Conakry. Je suis arrivé à Conakry ce matin pour porter un message du président Diomkounda Traoré au président Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le président Condé a prodiguer des conseils très utiles et renouveler son soutien, un soutien indéfectible à l'endroit du Mali. S'il considère que le Mali et la Guinée, c'est vraiment, véritablement le même pays. Il me l'a dit et il nous a nous-mêmes renforcés dans nos convictions. Et je lui ai dit que le président Diomkounda Traoré lui en saura gré. Après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Conakry.